Je l'avais promise depuis longtemps, la voilà, la vidéo sur mon bullet journal. Alors, matériel très simple, un carnet qui te plaît, moi j'aime bien celui-là parce qu'il a une couverture tissu, c'est tout doux. Les crayons, il n'y a pas besoin de grand-chose, franchement le 4 couleurs et ben, mes couleurs vert et noir, ça suffit largement. Et on va aller regarder à l'intérieur. Regarde pas mon téléphone, mais j'ai dit que s'il était perdu, il fallait qu'on me le ramène parce que quand même c'est important un bullet journal. Alors ça commence toujours avec les clés. On appelle ça les clés, moi j'ai appelé ça les jeunes diaries parce que j'aime bien les jeunes mots geeky que j'adore Barnet. Un point, c'est une tâche. Quand elle est faite, tu la croises. Un événement, c'est un petit rond. Si t'as pas fait ta tâche, bah c'est pas grave, tu fais une petite flèche et tu la reportes. Le triangle, c'est urgent, je l'utilise très rarement. La recherche, je l'utilise pas du tout. Et les notes, bah les notes, j'ai tendance à les prendre dans d'autres carnets encore, parce que sinon ça partirait trop vite mes carnets. La petite couverture qui fait des bulles, parce que c'est un bullet journal, donc ça fait des bulles. Que j'ai commencé le 1er septembre 2016 pour la rentrée. On commence toujours avec un index. J'ai prévu deux colonnes parce que c'est quand même un gros carnet, donc comme ça j'ai de la place. Et ça permet bah, de retrouver où est-ce que tu as mis les différentes pages. Le calendrier de toute l'année que j'ai recopié, mais j'aime pas trop parce que je trouve qu'il n'est pas bien équilibré le mien. Il ne me sert pas plus que ça celui-là. En revanche, le calendex, où là j'ai une visibilité sur toute mon année que je peux compléter, il est beaucoup plus utile. Ça, c'est mes projets effervescents pour l'année à venir. Donc c'est le travail que j'ai fait sur les idées avec Livia. Et c'est en fait un peu mon vision board à moi, mais que j'ai dans mon carnet. Comme ça, je l'ai toujours sous la main. Alors ça, c'est une astuce que j'ai piquée à d'autres blogueuses et je trouve ça génial. C'est mes articles de blog. En fait, je note quand je les ai écrits, quand je les ai illustrés et quand je les ai postés. Sur quel réseau je les ai postés. Bizarrement, Google+, c'est jamais coché. Mais en même temps, il n'y a personne. J'ai laissé la deuxième page vide parce que je me dis que si jamais je peux améliorer la disposition de là, bah je le reverrai sur l'autre page. Mission amélioration. Une autre idée que j'ai piquée qui est dans la même idée, bah ça c'est mes vidéos YouTube. Pareil, la réalisation, le montage, le partage et les interviews. Ça c'est ma bibliothèque avec mes livres à lire. Où en fait j'ai dessiné les petits livres par type de thématique et je colorie quand je les ai lus. Je suis à peu près à jour sur le coloriage, c'est-à-dire j'en ai lu la moitié, mais en fait il y a beaucoup plus de livres que ça. Et ensuite on arrive sur les pages des mois. Donc pour chaque début de mois, il y a la page du mois avec le petit dessin qui va bien, donc c'est pour ça que je ne suis pas trop embêtée. Et ça c'est la page où je me réfère le plus souvent, en fait c'est au début de chaque mois, tu as ta visibilité de tout le mois, c'est là que tu mets tes rendez-vous. J'aime bien mettre une petite citation tous les mois. Objectif et tout doux, je vois pas encore bien la différence, mais je mets toujours des trucs dans les cases. Et des petites notes finalement, mes notes plutôt que de les mettre dans les jours, moi je les mets ici. Et ça, je vais tourner, c'est les trackers, c'est ce que je veux faire tous les jours et je colorie en fait quand je les fais. Donc en l'occurrence, moi j'ai ma routine du matin avec yoga 5 tibétains, le fitness, la méditation, la lecture, du temps pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Et le Reiki qui a commencé au mois de septembre quand j'ai été initiée. Et ensuite les journées, il se passe quoi dans les journées? Eh bien c'est simple, je note mes tâches, je les coche quand je les ai faites, je mets la météo, il y en a qui mettent beaucoup plus de choses, donc ils mettent ce qu'ils mangent, etc. Chacun met ce qu'il veut, c'est freestyle. Donc moi c'est juste date du jour, les tâches à faire. Un petit dessin, parce que je dessine pas assez, ça me frustre, du coup je m'oblige à faire des petits dessins chaque jour dans mon bureau. Et ce que je fais tous les soirs, c'est les gratitudes, fierté et valeur. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait avec Livia. Gratitude, c'est les moments positifs de ma journée. La fierté, bah, c'est quelque chose dont je suis fière, que je suis fière d'avoir réalisé aujourd'hui. Et la valeur, c'est ce que j'ai gagné en fait. Que ce soit en termes de cadeaux, de promotion, montrer un petit peu la valeur que j'ai pu acquérir la journée. Ce qui est assez intéressant quand on est entrepreneur. Donc des petites pages, je m'amuse beaucoup avec les petits dessins, Gizmo. Ça c'était des réflexions sur les prochains articles, hein, il y en a qui ne sont pas faits, regarde pas tout. Donc voilà, de temps en temps j'ai des encadrés de réflexions qui me permettent de prendre un peu des notes. Mon initiation Reiki, Reiki DBZL, Dragon Ball Z. C'est bien aussi parce que finalement ça montre l'avancée qu'on peut avoir sur les derniers mois et ça montre que mine de rien les choses avancent. Mois d'octobre,
Mois d'octobre, c'est Halloween, donc forcément le dessin adapté. Ça, c'est mon initiation Reiki. Regarde, Patou, il faut être initié pour voir ça. Et on retrouve bah, le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui était le mois du lancement de ma formation. Donc tu vas voir, j'ai fait une page un peu spéciale ce jour-là. Mes trackers d'octobre où j'ai ajouté le Reiki. Et toujours, petit dessin, petit dessin, petit dessin. Boîte crânienne, salut Lucas. J'aime beaucoup feuilleter ça parce que déjà j'adore les carnets, j'adore les petits dessins et j'adore voir en fait que les choses avancent quoi. Franchement, c'est pour ça que j'aime bien le bujo. C'est que ça permet de faire pas trop de choses chaque journée, de pas s'éparpiller et aussi de voir ce qu'on avance. C'est moins frustrant qu'une to-do list qui est énorme et qu'on va jamais commencer. Donc ça, je t'en parlais, c'est la page de mon lancement qui est un peu particulière, donc j'ai un peu fait une petite déco pour l'occasion. Et il y avait pas mal de tâches, mais bon, on fait pas un lancement tous les jours non plus. Mois de novembre, les trackers du mois de novembre, Coantine. Ça devait être, oui, c'était le premier atelier avec Coantine de leur super formation pour accompagner les entrepreneurs. Donc voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits reminders. Là, on a vu Dr. Strange, donc j'ai fait le petit dessin de Dr. Strange. La soirée au théâtre de la Fabrique à Kiff. Et voilà, les journées, les journées, les journées. Des réflexions. Le mois de décembre avec un petit Jack de Noël, avec le petit chien de Noël aussi. Là, j'ai lancé mes carnets. Donc, dès que je fais un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire, j'ai un visuel qui me rappelle que là, il s'est passé un truc. Et du coup, le mois de décembre, bah, qui n'est pas encore bien rempli parce que j'ai pas encore tout rentré. Et j'en suis là. Voilà, tu as tout vu. Je te mets les articles qui m'ont servi d'inspiration en commentaire. Et j'ai envie de dire à toi de jouer!